dernière, donc je vous montre d'abord les exercices que l'on va faire pendant ce cycle Tabata. Il y aura des options. Donc, vous allez avoir à un moment donné, l'écran sera partagé entre Séverine et moi. Séverine vous montrera l'option, c'est-à-dire que je vais vous montrer un mouvement pas complexe, mais un petit peu plus abouti. Et à côté, pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés, Séverine fera une option qui sera nettement moins difficile que le mouvement de base. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer les différents exercices que l'on va faire pendant ce Tabata. Alors, c'est parti. Premier mouvement. Là, c'est tout simple. C'est des fentes croisées. C'est la révérence, en fait. Hop, on croise, on remonte. On croise, on remonte. OK, donc ça, petite fente croisée. Hop, on fait aller aussi les bras comme ça. Il y a beaucoup plus de muscles qui fonctionnent. OK, c'est bon. Pour l'option, simplement, on passe vers l'arrière, simplement en restant comme ça debout. D'accord? Tout simple. Hop, je me tourne, tout simple. On bascule vers l'arrière comme ça. OK? Voilà. Deuxième mouvement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première séance qu'on a faite, on a fait un demi-squat comme ceci, avec un dégagement sur le côté. On remontait, enfin, hop, hop, on remontait avec un petit saut. Là, on va faire d'une façon différente. On va changer les appuis. Donc, petit squat, vers l'arrière, et on remonte. OK? Je remonte. Arrière, arrière, hop, on remonte. On se met sur la pointe des pieds, ou alors un tout petit saut. Une petite impulsion, pas plus. Il ne faut pas monter jusqu'au plafond, hein, ça ne sert à rien. OK? Alors, troisième mouvement, et ben c'est un petit footing. Voilà, petit footing, on va faire un saut comme ça. Voilà. Ou alors, pour l'option, et ben c'est marche rapide. Hop, et on y va, on engage bien les bras. Donc ça, ce sera l'option que vous montrera donc Séverine. Donc sur le petit écran à côté, ce sera marqué option, et vous aurez Séverine en image. Vous faites, si vous voulez, cette option-là. Alors, quatrième mouvement. On a fait de la boxe avec Séverine. Et bien là, moi, je vais vous montrer un mouvement plutôt karaté. Donc là, grand squat. OK, on descend bien. On ouvre bien les pieds vers l'extérieur pour éviter d'avoir les genoux qui partent vers l'intérieur. OK, squat ici, les deux points ici au niveau des hanches. Et on va venir comme ceci, hop, frapper son adversaire devant. Et on y va, on y met de la cadence et on reste bien ici, plié pour bien faire travailler les quadriceps et les fessiers. Et on fait travailler les bras, comme ceci. Donc, c'est plutôt du karaté que de la boxe. Mais on change aussi un petit peu, c'est bien. Moi, je suis plutôt self-défense. C'est vrai, c'est plutôt la boxe. La dernière, là, on va prendre une petite chaise. Comme ça, on ne va pas aller au sol et on va rester debout. Voilà. On vient se mettre soit comme ceci, on est bien gainé. On est bien gainé et on va venir soulever. Et on fait attention à rester toujours bien aligné. Ou alors, on se met comme ceci sur la chaise. On gaine bien. Et on lève. C'est ce qu'on appelle une planche dynamique. Et on rentre bien le ventre. Quand on gaine, quand on serre les abdominaux, le ventre doit rentrer. OK ? Vous voyez, mon ventre rentre quand j'expire. Les abdominaux, il faut les faire comme ça. Faire rentrer comme ça, on travaille vraiment bien les muscles profonds. Voilà pour les cinq exercices. On y reviendra pour l'option, la planche, eh bien, en appui sur un meuble ou sur un mur. Et hop, on va venir aussi comme ça. OK ? Le but, c'est toujours être bien gainé. On serre bien, on bascule le bassin, on serre les fesses. Et on serre bien les abdominaux ici en expirant. OK? Voilà. Et ben moi, je suis déjà chaud. Hein. On va pouvoir commencer. Voilà, voilà. Bien. Allez, on va commencer par un petit échauffement. On est prêt? Tout le monde va bien? Et bien, allez, c'est parti. Voilà. Allez. On marche tout doucement. Allez, on marche, on marche. N'inquiétez pas, je rectifie un petit peu ma caméra.
Allez. On lance les bras. Et on va partir en step touch. Allez. Les bras bien sourds. Thank you.
Et on lève les bras. Allez, on marche. Et on va pointer devant. Un. De l'autre côté. Derrière. Devant avec les bras. De l'autre côté. On ouvre. On marche. Ça va, on est chaud? Eh bien, on va pouvoir passer à notre petite séance. N'oubliez pas, hydratez-vous. Je ne sais pas comment vous êtes vous, moi je commence à être bien chaud, je commence à transpirer un petit peu, donc il ne faut pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater. Alors, ben comme d'habitude, avec notre petit Tabata Timer, on va pouvoir démarrer maintenant la séance. Voilà, maintenant vous avez donc Séverine qui va vous montrer les options et moi je vais vous montrer le mouvement le plus complexe. Donc, une petite révision, Premier mouvement, donc hop, la révérence, ok? La révérence et puis pour les autres, l'option, simplement ça, d'accord? Deuxième mouvement, le squat, donc je descends, je, extension vers l'arrière, d'accord? Hop, je descends, hop, 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 ok? Troisième, petit footing, ça c'est pas bien compliqué, hein, on prend, on y met de l'intensité, voilà, voilà, donc marche rapide, ok? Voilà, ensuite, bah, squat large, donc comme sumo, et puis, ici, boxing, ok? Hop, 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 hop. Alors, regardez bien mon point. Il est ici à la taille. Il va tourner pour aller vers le plexus de mon adversaire, en fait. Hein. Il s'agit simplement d'un adversaire que l'on a en face de lui, de nous, et on veut lui démonter le plexus. Après, bah, la planche. La planche, je vous l'ai montré. Ok? Hop, petite révision. Hop, et on y va. Ok? Ça marche. Alors, c'est parti. Tout le monde est prêt. Voilà. On marche. La révérence. J'ai jamais vu autant de monde qui me fait une révérence comme ça devant moi. Allez, on y va. On marche. Avec l'extension arrière. Je descends. Hop, hop, ok. C'est parti. Hop. Petit saut. Petit saut. Thank you.
sol si vous voulez. Hein. Fin du premier cycle, super. Pas de problème particulier. Ça va pour ce premier cycle? Pas de problème particulier. On s'hydrate, surtout. Super important. Tout le monde va bien? Ok, ok, super. Bon, allez, 2 minutes de petite récupération, on marche sur place, on décontracte les jambes aussi. S'il y a un exercice que vous n'avez pas bien intégré, n'hésitez pas à me le dire, je vous le remonte là tout de suite entre les différents cycles. Ok? Voilà. Allez, on décontracte. On inspire, on respire. Ah, ça commence à chauffer, hein. Allez, on marche. On se décontracte, encore une petite minute, même pas. Et on va redémarrer le deuxième cycle. Comme d'habitude, 4 cycles. Ok. Allez, dans une quarantaine de secondes, on va redémarrer. Mais restez pas sur place, hein, marchez. On fait de la récupération active. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur place sans... Surtout qu'on est monté en intensité. D'accord? Donc, on redescend tout doucement. Allez, 25 secondes. On va pouvoir redémarrer très bientôt. Tout le monde est prêt? Super! Allez, c'est parti. Choisissez l'option que vous voulez. Allez. N'hésitez pas à engager les bras. On marche. Thank you.
commence à voir la transpiration, la sudation. C'est les bons signes. Surtout, n'oubliez pas, on transpire, il faut boire. Et on marche, hein, on ne reste pas immobile. Faites le mouvement que vous voulez. Hop. Bon, on n'est pas là. On va faire la lambada, mais quand même. Je suis moins gracieux que Séverine, moi. Allez, on marche. Hop, 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 hop. Super. Ça va toujours? Ouais, je pense. Hein. C'est des guerrières et des guerriers qu'on a là. On a envie d'en découdre. C'est bien, super. Ah. Allez, on marche. Allez, 50. 50 secondes. Et on redémarre. N'oubliez pas de rentrer le ventre. Hein, quand on fait les abdominaux, on rentre le ventre, on rentre le nombril. Le nombril doit être collé à la colonne vertébrale, comme dirait l'autre. Bon, ça dépend de la distance à laquelle le nombril est de la colonne vertébrale, bien sûr. Mais bon, c'est ça l'objectif. Hein. On inspire. Et on sent bien les muscles se contracter, tous les muscles profonds. Quand on fait cet exercice avec ça, vous pouvez le faire aussi quand vous épluchez vos pommes de terre et autres. Attention, dans 19 secondes. C'est reparti. On marche. Révérence. 5 secondes. On marche. C'est parti. Tout va bien? Impeccable, super. Jean-Marie, quand on fait la révérence, on souffle en descendant ou en montant? Alors, attends. J'inspire. En montant. Ok, merci. Je pousse. Okay.
OK? Ah. Ouh. Eh ben. Là, il fait chaud, là. Hein. Donc, n'oubliez pas, hein, on marche. On décontracte bien. Les bras, l'ensemble du corps. Voilà. On marche, on marche. On ne sollicite pas trop les membres supérieurs, à part quand on fait le petit boxing. Hein, je rappelle, le poing il tourne quand j'arrive en contact avec mon adversaire, en fait. D'accord? Hop, c'est ça. Cha, cha, cha. OK? Et au niveau du plexus. Allez, on va bientôt repartir dans 30 secondes. Le dernier tour. Allez, on marche, on se met en condition, un peu doucement. Bien, bien, allez, on marche tout doucement. On récupère. Pas de problème. Un petit retour au calme, tout doucement. Là, pour l'instant, on marche un petit peu. On reprend sa respiration. Et on va se faire un petit retour au calme. Hop. Et voilà. Voilà. On s'hydrate. Voilà.
Allez, tout doucement. Alors on balance d'un côté et de l'autre. Simplement. Les bras ballants. Je fais cet exercice-là. Pendant que je fais la cuisine, je rentre devant. Allez, passe le bras derrière. On va étirer un petit peu. Bien qu'on ne les ait pas fait beaucoup travailler, c'est pas grave. Ça fait pas de tort. Étirer un petit peu. On relâche et on passe de l'autre côté. On relâche. Je monte les bras, hauteur des épaules. Je ramène le bras devant. Je passe ici, juste derrière le coude. Je reste bien droit et je tire. Faire ça, hein. On reste bien face. On relâche. Le deuxième. Je pareil. Les jambes légèrement fléchies. Pour pas trop solliciter les articulations. Et on relâche. Allez, je fléchis les jambes légèrement. Je suis bien entassé dans la terre. Je soulève légèrement cette jambe et je viens chercher ma cheville. Vous pouvez le faire en appui. Hop, contre un meuble. Hop, et on vient ici. Étendre un petit peu le quadriceps. Parce que là, il a bien travaillé aujourd'hui. Alors la jambe, vous voyez, c'est bien contre l'autre. C'est pas comme ça, c'est bien comme ça. Ok, hop. Voilà. Comme chez Flamand Rose. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on est bien ancré en terre. Je lève. Je suis stable. Je viens chercher ma cheville. Abdos serrés. Je fixe un point devant moi. Je relâche. Je bascule vers l'arrière. Droit vers l'arrière. Jambe fléchie devant. Je tends la jambe talon au sol. Et je me penche vers l'avant. Et on étire la chaîne au muscle. Pied flex. Pied vers le plafond. Ha. Je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plaque.
plan, je transfère mon poids de corps vers l'arrière, je plante vers le devant. Pied flex, dirigé vers le plafond. Et je viens. Tout bien. Voilà. Menton, poitrine, hop, les épaules vers l'avant, les jambes tout doucement, la colonne vertébrale et je plie au fur et à mesure les jambes et je descends, je relâche complètement mes bras, ils sont complètement relâchés. Regarde toujours le menton, poitrine. À redresser les jambes et à dérouler tout doucement la colonne en gardant toujours les épaules vers l'avant et le menton sur la poitrine qu'on ne relève pas en terminé. Allez, tout doucement. Je ramène les épaules et je lève la tête. On inspire. On expire, on inspire, et voilà, allez on décontracte tout, voilà, et voilà, bravo, vous avez bien travaillé, bon travail, et voilà, et bien merci de votre présence aujourd'hui, et puis bien, bonne semaine, j'espère que, vous a, que ça merci. Vous a mis en forme. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Jean-Marie, c'était super. Merci beaucoup.